بسم الله الرحمن الرحيم. chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la présentation de travaux pratiques que vous allez réaliser prochainement. Alors, c'est le travail pratique numéro 1. C'est la mesure des caractéristiques hydrauliques d'une pompe avec plusieurs vitesses de rotation. Donc, comme vous savez que tous les constructeurs de pompes fournissent à l'utilisateur, à celui qui va choisir les pompes, ils leur fournissent un catalogue. Alors, les catalogues, les caractéristiques les plus importantes dans ces catalogues, l'exemple de ce catalogue de KSB, c'est la courbe hauteur en fonction du débit, la puissance absorbée ou bien la puissance du moteur en fonction du débit, et vous avez la courbe du rendement en fonction du débit. Alors, tous les constructeurs ont des bandes d'essai dans leur usine de fabrication. Ils présentent, ils mesurent ces caractéristiques-là dans leur laboratoire. Alors, pour comprendre ces bandes d'essai, nous vous montrons ici le schéma hydraulique d'un banc d'essai simple d'une pompe. Hein? Alors, les composés d'une cuve d'eau, hein, une conduite d'aspiration, une pompe, conduite de refoulement. Vous avez un circuit fermé ici, où le niveau d'aspiration est égal au niveau de refoulement, c'est-à-dire la hauteur géométrique est égale à zéro. Et sur ce circuit-là, on introduit une vanne de réglage de débit, ici, par exemple, à la sortie de la pompe, et un débitmètre pour mesurer le débit. Ça peut être un venturi, des prises de pression à l'entrée de la pompe, P1, une prise à la sortie de la pompe, P2. Évidemment, la différence des deux pressions nous donne la hauteur. Et aussi, la pompe elle est munie d'un moteur avec un variateur de vitesse pour fixer les vitesses, pour avoir des caractéristiques en fonction des vitesses de rotation, tour par minute. Et aussi, ces moteurs-là, on peut mesurer leur puissance. Tout ça peut être réalisé à l'aide de traitement de signal à un ordinateur qui vous donne actuellement tout est automatisé. Les calculs sont automatiques. Alors, donc vous avez des prises de pression, un débitmètre et aussi un moyen de mesurer la vitesse de rotation et aussi un moyen de mesurer la puissance consommée. Alors, quelles sont les formules utilisées? On sait bien que la hauteur magnétique de la pompe, c'est la différence des pressions à l'entrée et à la sortie sur rejet. Donc, si les pressions sont mesurées en bar, il faut les multiplier par 10,19 pour les exprimer en mètres colombes d'eau. Alors, le rendement, hein, pour tracer la courbe rendement en fonction du débit, c'est le rapport entre la puissance hydraulique, qui est égale à rejet HQ, H c'est la hauteur manométrique, Q c'est le débit, sur la puissance consommée par le moteur, qui est une puissance donnée, mesurée à l'aide des wattmètres. Donc, si la puissance consommée par le moteur est exprimée en watts, il faut exprimer le débit en mètres cubes par seconde et la hauteur en mètres, et ρg, ρ c'est la masse volumique de l'eau, g c'est la pesanteur, est égal à 9810. Alors, le principe, c'est en variant les vitesses, en variant la position de la vanne, ici vous avez, on va prendre trois points. Ça, c'est une position d'ouverture d'une vanne, parce que la variation du débit se fait en fermant ou en ouvrant la vanne dans la conduite de refoulement. Voilà, là. Pour cette position-là, évidemment, on obtient P2 moins P1 sur gamma et on a une certaine hauteur et le débitmètre, à l'aide du débitmètre, on mesure le débit. On ouvre la vanne, toujours à une vitesse constante, évidemment. On ouvre la vanne, on mesure la pression à l'entrée, la pression ressortie. Nous aurons H2 en fonction de Q2. On ouvre encore la vanne. Hein. On prend la mesure de la pression à l'entrée, la pression de sortie et le débit Q3. Sur ces trois points-là, on peut tracer la débitante de la pompe. On appelle ça la débitante de la pompe. Hein, ce qui est obtenue avec différentes positions de la résistance de la conduite. C'est la conduite résistante ici, c'est la perte de charge évidemment totale dans la conduite, dans tout le circuit.
Ça, c'est la courbe hauteur-débit pour une vitesse constante. Aussi, on peut présenter la courbe puissance-débit. Évidemment, pour chaque position de la vanne, on mesure la puissance du moteur à l'aide du wattmètre et le débit avec le débitmètre et on obtient ces points-là. Ça peut être une droite. Ça peut être une droite. Et enfin, vous avez, pour une vitesse de rotation constante, on peut aussi, à l'aide de la formule du rendement, hein, c'est rho gh q sur la puissance pour une position de la vanne 1. Et vous avez pour la position de la vanne 2 ou la position de la vanne 3, et on obtient une courbe de rendement. Généralement, c'est une parabole de second degré ou de troisième degré. Alors, si je vous présente à peu près notre installation, pardon. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va vous présenter le banc d'essai du TP numéro 1 concernant la mesure des caractéristiques hydrauliques d'une pompe centrifuge à passage radial, c'est-à-dire déterminer la hauteur débit, caractéristiques hauteur débit, puissance débit, rendement débit. Voilà le banc d'essai, simple. Donc nous avons dans le banc d'essai, vous avez ici la cuve de remplissage. Hein, vous avez le niveau d'aspiration, ça sera égal au niveau de refoulement. Vous aurez la conduite d'aspiration, cette conduite d'aspiration. Au bout de la conduite d'aspiration, on va mettre une prise de pression à l'entrée. Et vous avez la conduite d'aspiration et vous avez la roue ici. Et à la sortie de la roue de la pompe, vous avez une prise de refoulement. La différence entre les pressions à l'entrée et à la sortie, c'est la hauteur. La hauteur, voilà l'exemple de notre roue. C'est une roue à passage radial ou de centrifuge avec 6 aubes. La largeur de l'aube, vous avez ici la largeur de l'aube, vous avez le diamètre, voilà. Ici, vous voyez la roue, hein, à l'intérieur de la volute. Donc, vous avez la différence de pression à l'entrée, la différence de pression à l'entrée de la pompe et la pression à la sortie, P2 moins P1, c'est la hauteur. Concernant le débit, nous avons ici un système pour mesurer le débit, hein, c'est presque un système de Venturi relié, hein, par affichage digital à un ordinateur. Alors, comment mesurer le débit? C'est en variant, plutôt comment varier le débit, vous avez dans la conduite de refoulement, dans cette conduite de refoulement, hein, qui passe de la sortie de la roue jusqu'à le bac, vous avez une vanne de changement de débit. En variant la perte de charge, on change le débit. Voilà concernant le débit et la hauteur manométrique. Vous avez la pompe, elle est munie d'un moteur. Hein, ce moteur-là est muni d'un variateur de vitesse pour varier la vitesse, parce qu'on peut faire une caractéristique de mesure à plusieurs vitesses de rotation. Donc vous avez un variateur de vitesse pour mesurer la vitesse et aussi vous avez ici un wattmètre à l'intérieur pour mesurer la puissance de sortie. Alors tous les affichages sont donnés, sont reliés à un ordinateur. Hein. Il suffit de varier le débit par cette vanne-là. Évidemment, la vanne d'aspiration, ici, elle doit être ouverte. L'écoulement se fait dans ce sens-là. Hein. Le retour jusqu'ici. On varie le débit avec cette vanne et on mesure sur l'ordinateur à l'aide des traitements de signal, évidemment, on mesure le débit donné par cette machine et on mesure la puissance, hein, consommée par le moteur. Voilà concernant le banc d'essai de mesure d'une seule pompe. Le banc d'essai de mesure d'une seule pompe, elle est simple. Une conduite d'aspiration, une conduite de refoulement, un système de réglage de débit et aussi un moteur muni de variateur de vitesse pour varier la vitesse. Mais aussi un système de mesure de la puissance, un wattmètre, tout ça relié à l'ordinateur qui va vous analyser vos données. Voilà, merci de votre.
Voilà, c'est terminé cette présentation. Donc, quand je vous ai dit que on peut déterminer la caractéristique d'une pompe pour une vitesse constante, et on peut varier parce que tous ces moteurs-là, le moteur de cette installation est muni d'un variateur de vitesse. On peut, en changeant la fréquence évidemment, on peut tracer pour une autre vitesse et on aura aussi la possibilité d'avoir des caractéristiques pour plusieurs vitesses de rotation. Voilà, merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.